ensemble. Vivons le bonheur d'Algérie. Ensemble, apprécions les couleurs d'Algérie. Le soleil. C'est toujours un très bon moment que de partager avec vous, chers amis téléspectateurs, bonjour. Et je suis très heureuse de vous retrouver en cette matinée du jeudi 24 juin. Eh bien, c'est un temps très ensoleillé, il variera entre 24 et 30 degrés. Eh bien, je pense que la direction de la plage est ouverte. Eh bien, au menu en cette matinée, au programme aussi qu'on a essayez quand même de vous concocter pour cette matinée. Eh bien, il sera question, bien sûr, d'ouvrir le bal avec la rubrique de droit. Il sera question de parler des fraudes scolaires. Et bien sûr, on ira au festival du court-métrage avec notre correspondant Iliès Benzien. Et bien sûr, ça parlera des JO de Tokyo de 2021. On recevra avec nous Emina Berrichi, alors une athlète qui représentera l'Algérie. Et bien sûr, les JM qui seront à l'honneur aujourd'hui avec la présence de Khalida Khalfaoui. Et bien sûr, on ira découvrir avec vous, en votre compagnie, et bien, la prise en charge des personnes en difficulté mentale avec Bennett Al-Khair. Et bien sûr, on ira un petit peu voir et fouiner qu'est-ce qu'il y a derrière le festival de la musique du théâtre. Et bien, Salim Skandar qui sera présent là-bas, ça, parce que ça se passe à Sidi Belabès. On ira aussi, alors on ira, je vais vous emmener tout le temps avec moi hein, aujourd'hui, hein, découvrir au salon de sa deuxième édition du salon de l'artisanat et des métiers avec Hafeda Ben Saleh, l'organisatrice du salon en sa deuxième édition. Et on finira avec des douceurs puisqu'on ira voir la deuxième édition du salon des délices. Oui, il y aura du chocolat, il y aura des petits pains au chocolat, il y aura même des croissant, eh bien, ça va vous donner un petit peu envie de déguster de bon matin, un bon petit déjeuner avec du jus d'orange, avec, eh bien, voilà. Et bien, sans plus tarder, comme on vous l'a habitué, eh bien, une belle chanson tirée de souvenirs et flashback, Cheb Nasro, Ya Mara.
ya mala, amri ma khdatek. Ben voilà, c'était une belle chanson de Cheb Nosoro, qu'on salue d'ailleurs et qui se trouve aux États-Unis. Et bien sans plus tarder, puisque notre rubrique juridique aujourd'hui, ça parlera des fraudes scolaires. Bonjour, Maître Sabr Jamila, qui vous êtes avocate à la cour. Ça va? Tout à fait, bonjour. Bien? Ça va, alhamdoulilah, merci. Pas trop fatiguée, ça va? Non, ça va. C'est bon, hein, c'est l'été qui s'annonce. Tout à fait. Le soleil. Voilà, et beaucoup d'humidité aussi. Exactement, voilà. Oui, ça c'est vrai. Mais quand même, il fait très beau. Oui, tout à fait, il faut en profiter. Exactement. Eh bien, à quel moment peut-on parler de fraude scolaire, ou comme on dit, tricherie? Très bien. Donc, c'est un sujet d'actualité. Hein. Exactement, voilà. Parce qu'on arrive juste de finir. C'est aujourd'hui le dernier jour du bac. Tout à fait, tout à fait. Il y a eu pratiquement entre 62 et 68 candidats qui ont été arrêtés pour fraude lors de l'examen du baccalauréat. Cette année. Oh là là. Donc, il y a eu 26 qui ont été mis sous mandat dépôt, carrément, parce qu'ils passent directement dans ce genre d'affaires, ils passent en comparution immédiate, ce qu'on appelle en arabe « el moutoul fawri ». Donc, c'est en quelque sorte un flagrant délit. Donc, 26 jeunes candidats sous mandat de dépôt. Donc, ils n'auront pas moins de 3 ans de prison ferme, plus… Oui. C'est-à-dire… Parce que je vais vous parler maintenant… Ce n'est pas une sanction très sévère pour des lycéens. Non, non, mais il faut aussi la apprendre que dans la vie, il ne faut pas tricher, il faut travailler, il faut… parce qu'il y a eu beaucoup, énormément de fraudes auparavant, dans les années précédentes. Donc, il fallait encadrer. C'est devenu une coutume, une culture, en quelque sorte. Ouais. Dès qu'il y a un examen scolaire, il y a pas, on ne parle pas que d'examens scolaires, hein, bac, primaire, moyen, bac. Il y a aussi les examens professionnels, les examens de l'enseignement supérieur. Eh ben, hier, sur une chaîne étrangère, d'ailleurs, qu'on était en train de zapper, et là, il y avait un enfant qui passait le bac, qui s'est fait un implant de Bluetooth dans son oreille. Avec tout ce qu'il y a comme moyen électronique très moderne et tout, voilà. Donc il fallait, parce qu'il y a eu énormément, c'est devenu une coutume, lors de surtout de l'examen du baccalauréat. Donc il fallait stopper ça avec des lois très sévères. Donc il y a eu la loi dernièrement qui a été promulguée, la loi donc 2006 du 28 avril 2020. Elle est passée pratiquement inaperçue, mais c'est une loi qui est très sévère et qui réprime tout fraudeur ou triche au niveau, non seulement aux examens scolaires primaires, moyen, bac, examen professionnel, examen de l'enseignement supérieur et examen professionnel nationaux. Alors, quelles sont les tricheries, justement, qui sont très graves? Parce que des fois, alors par exemple, on a tous fait ça, hein, entre nous, on a tous fait ça, c'est-à-dire on écrit et on fait ça. Pendant les examens du baccalauréat. C'est très sérieux. Donc, comment on peut qualifier de fraude ou atteinte à l'intégrité des examens? Donc, il faut, c'est-à-dire quand il y a divulgation avant ou après les examens des sujets ou des corrigés. D'accord. Voilà, comme les jeunes qui ont été arrêtés. Donc il y a eu les sujets et au niveau qui ont été affichés au niveau des réseaux sociaux. Voilà, donc comme quoi il y a un sujet et c'était des vrais sujets, hein, voilà. Et des fois c'est les corrigés, voilà. Donc ces jeunes, donc c'est là on commence par c'est la loi de l'article plutôt pardon 253 bis 6. Donc là ils sont condamnés de 1 an à 3 ans de prison ferme. Les lycéens. Les auteurs de la triche. Qui sont les étudiants ou ceux qui passent le concours professionnel ou autre, et plus une amende de 100 000 jusqu'à 500 000 dinars. De 100 à 500 millions, voilà, ça veut dire 50 millions. Voilà, de 10 millions à 50 millions. Voilà. Et aussi, il y a eu certains cas où certains étudiants se sont substitués aux vrais étudiants qui passaient le concours. Ah oui, il y a eu des cas comme ça. Donc, oui. C'est pour ça qu'ils ont des cas de jumeaux. Non, ils changent les cartes. Là, ils se croient plus malins que, voilà. Surtout maintenant, je viens de vous le dire, avec les moyens électroniques et tout, ils se sont substitués carrément aux vrais candidats.
Donc, voilà. Donc, voilà, en quelque sorte, c'est comme ça. Et des fois, on les trouve avec des moyens, les Bluetooth, là. Il y a eu même des trucs très modernes qu'ils ont importés de l'étranger. C'est comme un grain de blé, là, qui met au niveau de l'oreille, voilà. Et donc, tout est contrôlé. Les portables sont confisqués à l'entrée et tout ça. Très voilà. bien. Mmh. Très bien. D'accord. Alors, là, on parle de la triche des étudiants. Tout à fait. Et qu'en est-il pour la triche des professeurs? Alors, donc, c'est l'article 253-17. Donc, quand il s'agit, c'est-à-dire de toute personne qui fait partie de l'encadrement, qui encadre, qui supervise, qui prépare les sujets, donc, ces gens-là sont condamnés de 5 ans à 10 ans de prison ferme, avec une amende qui va jusqu'à 700 000 dinars. Jusqu'à 1 million de dinars, oui. Oh là là. Voilà. Oui. Donc, ils sont aussi privés de tous leurs droits cités dans l'article 9 du Code pénal. Donc, ça va être, c'est-à-dire, c'est une personne qui va se massacrer, qui Et va se suicider. Quels sont ses droits? Donc, les, pour avoir un aperçu? Oui, oui, bien sûr. Donc, loi électorale, donc, faire du commerce, faire. Il y a beaucoup de choses. Hein. Donc, droit civique. Ils font rien après. Ah oui. Leur vie est carrément. Ah oui, parce que c'est des gens, c'est grave. Oui, parce qu'ils avaient une certaine responsabilité. Et l'État avec une grande confiance en eux. Voilà, tout à fait. Quand un encadreur. Parce qu'on a vu certains professeurs, carrément, après le sujet qu'il est donné, il le corrige plutôt. Il résolut le sujet, par exemple les exercices ou n'importe quoi. Ensuite, il le remet au candidat. Oui. Moyennant une somme d'argent. Oui, il y a eu beaucoup de cas. Il y en a eu, oui, ça c'est vrai. Surtout, même la grande fraude, d'ailleurs, il faudrait chercher là-dessus. C'est-à-dire quand ils transfèrent les notes sur ordinateur, c'est là où la personne, elle risque de faire des fraudes. Et il y a eu des fraudes. Oui, énormément. Ils utilisent tous les moyens. Des fois, ils ont trouvé même des locaux. C'est-à-dire, une fois que la fraude, c'est-à-dire, est consommée et est qualifiée et tout, donc il y a une confiscation de tous les moyens qui ont été utilisés pour cette fraude. Et des fois, ils ont trouvé même des locaux. Donc, les locaux sont scellés. Le matériel confisqué et les personnes arrêtées. Voilà. Et ce que je tiens à préciser, que la tentative à la fraude, elle est punie par la même loi que la fraude consommée. C'est la même peine. Hein. Voilà. C'est la même chose. Ah, c'est la même chose, oui. Très bien. Alors, bien sûr, on parle maintenant de sanctions, alors des deux parties, que ce soit les lycéens ou alors les professeurs. Et comment, à quel moment, on peut quand même faire appel à ces sanctions? C'est-à-dire une fois. Appel, pas appel aux sanctions, mais faire appel pour arrêter cette sanction. Tout à fait. Voilà. Donc, pour essayer de réintégrer ces personnes. C'est pas facile, hein, parce parce que c'est une atteinte à l'intégrité des examens et des concours. Mm-hmm. Quand on parle d'atteinte à l'intégrité, c'est grave, le mot est grave. Mm-hmm. C'est-à-dire surtout, c'est des concours nationaux, hein, des examens nationaux. C'est pas un examen à l'université ou au lycée, voilà. Donc, parce que ce qu'on a remarqué, les gens qui commencent à tricher dès leur jeune âge, après ce qu'on voit actuellement au niveau des cadres supérieurs qu'on a, qui sont arrêtés pour détournement de deniers publics et mauvaise gestion. C'est ces gens-là qui ont triché quand ils étaient jeunes. Mmh. Voilà. Donc, parce que quelqu'un qui est honnête et intègre, il ne peut pas, même il est cadre supérieur, il a une responsabilité, il reste intègre. Bien sûr. Voilà, en quelque sorte. Donc là, on revient. Donc, quand c'est-à-dire la personne est arrêtée avec, c'est-à-dire en train de tricher ou avec un sujet qui lui a été remis ou avec un moyen électronique quelconque, en parlant du candidat. Donc là, carrément, il est présenté devant la justice, et il passe en comparution immédiate. Donc, il y a ce qu'on appelle une citation directe. Le matériel confisqué qui est servi qu'en preuve. Et des fois, le premier qui a été arrêté au niveau Tizi Ouzou cette année, il est interdit de passer le bac pendant 10 ans. Ouh là là. Voilà. Donc, il y a interdiction des fois 5 ans, 10 ans, parce que cette année, c'est très sévère. Hein. Mm-hmm. Voilà. Donc, les amendes à payer. Pour les encadreurs, ils ne remettront plus les pieds, dans le cadre, c'est-à-dire, ils ne travailleront plus dans un cadre d'enseignement ou dans la fonction publique, même dans la fonction publique, ça y est. Donc, c'est des gens qui sont en quelque sorte taxés.
Ils ont aidé, c'est des fraudeurs. Alors, donc, plus la peine d'emprisonnement, plus l'amende. Donc, en quelque sorte, c'est du suicide carrément. Moi, je ne vois pas, ça ne vaut pas le coup de foutre sa vie comme ça pour juste un examen ou un concours ou une petite somme d'argent. Pour une petite somme d'argent quand même. Ne plus avoir en même pas 15-20 jours. Voilà, hein, tout à fait. Surtout quand on voit les enseignants, ils gagnent bien leur vie avec les cours particuliers. Oui, effectivement. Donc, oui. Avec un bon salaire, quand on est honnête, hein, voilà. Avec un bon salaire, on peut faire une voiture, on peut faire un appartement, on peut faire Zamak Alhamdoulilah. Je ne vois pas pourquoi ils font ça. Très bien. Alors, mais comment prouver qu'il y a eu vraiment tricherie? Où on trouve les sujets? C'est-à-dire c'est par rapport au professeur. Voilà, au candidat. C'est-à-dire des fois, le professeur. Mais une fois que le candidat est interrogé, il va dire que tel professeur m'a remis tel professeur. C'est-à-dire le candidat ne peut pas deviner quel sujet sera. Qui a diffusé ce sujet? Donc c'est une personne qui a participé à l'élaboration du sujet, c'est une personne qui supervise, qui encadre et qui sur place donne la solution au candidat. Donc le candidat va automatiquement parler de cette personne. Exactement. Et ce qui est plus grave encore, c'est-à-dire la peine peut aller jusqu'à de 7 ans à 15 ans de prison ferme. Mais pourquoi? Voilà, c'est très. Il faut être honnête. Avec une amende qui peut aller aussi jusqu'à 1 500 000 dinars aussi, si dans le cas où le concours ou l'examen est partiellement ou complètement annulé. Et ben voilà. Voilà, parce que quand il y a une fraude généralisée comme ça, donc le concours ou l'examen peut être annulé carrément. Alors, un conseil? Alors, ces personnes-là. Travaillez, soyez sérieux, soyez honnête. Même si vous n'arrivez pas à avoir le bac la première année, refaites-le et soyez tranquille. Voilà. Exactement. Tout simplement. Merci beaucoup. Merci à vous. On se revoit le jeudi prochain avec un autre sujet. Inch'Allah. Très bien. Eh bien, on va tout de suite vers le festival du court-métrage de Temouchent avec Ilyes Benzien et son interview qu'il avait faite là-bas sur place. Je les félicite. Le حق داروا مبادرة كبيرة باه le cinéma algérien يزيد يطلع ويعطوا المشعل لهذو لي جون. Il faut les encourager. Le développement des nouvelles technologies filmiques a provoqué l'émergence de nouveaux talents dans le secteur des divers métiers du cinéma. À cet effet, des journées nationales du cinéma amateur pour le prix Sifax du court-métrage ont été organisées au niveau de la Maison de la Culture Aïssam Saoudi de la wilaya d'Ain Temouchent. الهدف من هذه التظاهرة هنا بولاية عين تموشنت اولا مساعدة ومرافقة الفنانين والجمعيات المهتمة بمجال السينماتوغرافيا مرافقتهم من أجل إنجاز مشاريع سينماتوغرافية في المستقبل إن شاء الله إضافة إلى الهدف الأسمى باعتبار أن ولاية عين تموشنت منطقة عذراء فيما يخص الصناعة السينماتوغرافية لما تمتاز به من آثار ومناطق سياحية جد خلابة قد تكون ملهمة لمختلف المخرجين والمبدعين على مستوى ولاية الوطن. احنا مدة شهرين من اللي أعلننا عن المسابقة من خلال نظام داخلي واستمارة مشاركة يعني حطيناها في صفحة رسمية لدار الثقافة عين تموشنت اللي فتحنا من خلالها يعني باش نشجعوا المواهب عبر كل الوطن عبر ربوع الوطن اللي تلقينا من خلالها 38 مشاركة من 17 ولاية. Ces journées culturelles qui se tiennent du 14 au 16 juin 2021 visent principalement à promouvoir et valoriser les nouvelles compétences et ce dans le but de contribuer à développer une industrie cinématographique forte et prospère. On a tenu foutu le message, on a foutu le mal à des jeunes, il y a les faits de tout gérer, jusqu'à nous le tout ce qui est réalisation. On marque les حسب l'écrage caméra. قلت لهم دائما دائما يقولوا هنا كبار انه الاخراج ماهوش كاميرا. الاخراج c'est une vision. الاخراج يعني نظره اخراجيه. من بعد عاد يتم تصوير النظره الاخراجيه. La jeunesse elle a beaucoup plus de d'opportunités et de d'outils que ce qu'on avait nous. Moi, par exemple, quand j'ai commencé dans les effets spéciaux, tout le monde m'a découragée parce qu'il n'y a pas de matière. Donc j'étais obligée de créer la matière moi-même pour faire l'effet. Donc j'étais obligée de faire les deux, une recherche de la matière et une recherche sur l'effet, et un effet qui soit vraiment identique à la réalité ou plus proche à la réalité.
هي أول شيء باش نحفزوا pour encourager هاد لي جون pour avoir beaucoup de films pour les encourager et leur dire نقولوا لهم ثاني باللي ما راكش وحدكم تخدموا هاد الافلام باسكو pour devenir un professionnel il faut toujours être un amateur. Professionnel, il faut toujours être un amateur. Eh bien oui, on commence d'abord par être amateur. Et c'est très bon d'avoir ces festivals pour les jeunes, la jeune génération, pour qu'ils puissent découvrir, apprendre et bien sûr, pourquoi pas, eux aussi, ils se mettent à ce domaine. Eh bien, sans plus tarder, on essaye d'aller voir ce que Ilyes Benzien nous a ramené comme interview avec des candidats qui ont participé à ce festival du court-métrage qui s'est passé la semaine dernière à Témouchente. Et on se retrouve juste après avec nos invités. Bonjour et bienvenue, chers amis téléspectateurs. Nous nous trouvons actuellement au niveau de la Maison de la Culture de la Wilaya de Aïn Témouchent, et ce dans le cadre de la tenue des Journées Nationales du court-métrage qui s'étendent du 14 jusqu'au 16 juin 2021. Monsieur Sassir Zahar, vous avez 28 ans, vous êtes venu avec un projet qui s'appelle Dakira, un court-métrage qui s'appelle Dakira. Donc bienvenue à vous et merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Donc Monsieur Sassir Zahar, avant d'entamer le vif du sujet, est-ce que vous avez eu déjà une formation au cinéma par le passé ou ça s'est fait de manière autodidacte? Assalamu alaikum, déjà, choukran al istidafa. Oui, on a plusieurs formations, yani, ou on a plusieurs expériences dans le domaine du cinéma ou le domaine de l'audiovisuel déjà. Ou حاليًا راني يعني formateur photographie. Très bien. Donc, d'où vous est venue cette idée d'un sujet historique dans le cadre de la réalisation de votre court-métrage? الفكرة جاتنا parce que حنايا زعما حنا لي جون انا بدينا شويه نساو يعني الجزائر وش فوتت ولا دونك حبينا نعاودوا نخلقوا لا ميموار تاعنا وحبينا نعاودوا زعما نعاودوا نلحقوا الرساله للشباب الصاعد باللي الجزائر باللي عقبت على حقبه استعماريه عنيفه جدا وعقبت على يعني عقبت على سوفرونس كبيره دونك سي بور سا سمينا الفيلم تاعنا الذاكره باش كي تشوف هذا الفيلم ولا تشوف هذا ليدي تعاود تتذكر ابوبري واش كان داير فينا فرنسا في هذيك ليبوك. Très bien. Et dans votre traitement du scénario, est-ce qu'il y avait des films en particulier qui vous ont marqué dans la réalisation de votre film ou ça a été un projet à 100% personnel? Il y a fait deux côtés. Le côté de l'un, c'est fait carrière personnelle. Le côté deuxième, il y a des inspirations qui m'a par exemple filmé Le Puy. Ah, Le Puy. Le Puy Bouchouchi. D'accord. Donc le même lieu, yani, les tournées au Fého, Houma, c'est notre lieu. D'accord. Vous avez tourné dans le même décor. Donc tournées là, environ, fait place à une place. Où qu'on a vu, yani, qui qu'on a déjà, qu'on a vu l'autre fait bouchouchi, qu'est-ce qu'il a tourné dans ce film. Donc, on a voulu l'image في هذاك البلاصه وفي هذاك اليو دونك تقريبا كانت لو بوي هو اللي انسبيرانا باسكو تورنا قدامنا كنا نشوفو وعاودنا تورنينا في البلاصه هذيك. تري بيان سي ان فيلم كي فوز ماركي. نشتيه ديجا ونشتيه كاع الافلام الثوريه. كاين كذلك فيلم تاع حميد بن باديس. كاين فيلم تاع سيتو. C'est pas grave. Donc, mais maintenant que vous avez présenté votre film ici au sein du festival, avez-vous une ambition de le développer enfin, dans un futur proche, en long métrage peut-être? Inch'Allah. Mais je me suis dit film parce que le film ou le projet est déjà qu'un court métrage. Il a été pensé en tant que court métrage. Donc, ouais. Donc, mais nous pouvons faire ça. Il y a une possibilité de faire un film ou un projet comme un long métrage. Il y a un projet, Inch'Allah, parce que nous avons fait l'Ahouat, nous avons une personne théorique. اللي هي بن ناصر بن شهره وان شاء الله يعني ماشي برك انا باسكو انا ما نمثلش برك نفسي باسكو عندي ستاف معايا دونك عندنا دي جون وعندنا يعني كاع كاملين عندنا حلم اننا نخدموا الفيلم تاع بن ناصر بن شهره ان شاء الله في ولايه الاهواط ان شاء الله. دونك رانا في لا فورماسيون حاليا ورانا في لي زيكسبيريونس رانا نتعلموا باش كي نكونوا واجدين يعني كي نكونوا واجدين نحاولوا ان شاء الله نحققوا الحلم تاعنا اللي هو نخدموا فيلم بن ناصر بن شهره. Et
Voilà, merci beaucoup Ilyes Benzien de nous avoir mis au parfum du Festival du court métrage de Témouchente. Et sans plus tarder, puisque j'ai été rejointe par deux invités, pas des moindres, parce qu'une qui va hisser le drapeau algérien aux Jeux Olympiques de Tokyo, eh bien ce n'est autre que notre jeune oranaise algérienne, Emina Berrichi. Bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci à vous d'ailleurs d'avoir accepté notre invitation et venir partager avec nous ce moment, on va dire, olympique. Merci, c'est un honneur d'être là avec vous. Merci. Alors, vous êtes accompagnée de Madame Khalida Khalfawi. Bonjour. Bonjour. Ça va, Chérimène? Ça va très bien. Les merci. JM à l'honneur aujourd'hui. Ah oui. Et on est prêt pour vous accueillir le 25, Inch'Allah. Très bien. Très bien. Alors, on parlera de cet événement dans un petit moment, mais sans plus tarder, on vous propose un sujet signé Riles Wildhamouda sur la préparation de nos deux athlètes aux Jeux Olympiques de Tokyo 2021. Amina Berrichi, Hamza Bourras, deux villeplanchistes de la sélection nationale, les seuls à avoir assuré leur participation aux Jeux Olympiques de Tokyo 2021 dans la discipline RSX, après leur sacre au championnat d'Afrique de voile en 2019. Depuis le mois d'août dernier, ils participent à des stages périodiques en vue des Jeux Olympiques d'été, Tokyo 2021, et aux Jeux Méditerranéens, les JM 2022 d'Oran. On a eu toutes les conditions de travail, que ce soit les mois de récupération, que ce soit les conditions météorologiques, où on a le petit temps, le médium et c'est des conditions qui aident beaucoup les athlètes. Ils s'adaptent les conditions réelles de la compétition, puisque là, on est sur la compétition. Pour la préparation, il y aura un autre stage à Oran, où on va sur le site de l'IGM. Ça leur fait encore un stage et une compétition de préparation qui les aide à être à jour dans l'échéance des Jeux Olympiques. On a entraîné très quotidien pour nous jouer à l'Olympia. Voilà, on a présenté le Jazair et l'Afrique. Voilà, c'est le seul pays qui va mettre l'Afrique. Voilà. Le rythme les régule à l'entraîneur, ça fait on va naqsou chouya le rythme mwelfin aleh ou pour garder la forme ou nos douleurs pour éviter les blessures. L'objectif c'était de qualifier parce que c'est ma première qualification ga ou inchallah nmet le Jazair ahsan tamtil ou ida qdert ala hla pour obtenir une médaille ou malgré j'ai chouya baïd alina chouya. Mon deuxième objectif, ça sera les Jeux Méditerranéens, les radin darou fi Wahran. Ou had chi nes galah yitqara fih bihamas ou ça sera une étape li radi tchouf win rak wasal vraiment parce qu'on gagne ça yitqara fina باش نجيبو des médailles fhad el mousem inchallah. Ces Jeux Olympiques de Tokyo seront pour nos véliplanchistes sélectionnés une escale importante. Une compétition qui sera le point médian entre la réussite et l'expérience. Eh bien, je rappelle à nos chers amis téléspectateurs que Coral Peinture est notre sponsor officiel. Eh bien, les JO à l'honneur avec Amina Berrichi et bien sûr Hamza Bourras, à qui on présente nos sincères condoléances pour le décès et la disparition de son père, à lui et à toute sa famille. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Eh bien, sans plus tarder, puisqu'on va parler d'un grand événement qui se prépare pour demain le 25, Khalida. Oui, alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Donc, demain le 25, c'est la journée, en fait, c'est le compte à rebours des JM 2022. À partir de demain? Oui, à partir de demain, donc le 25. Une année. Mon Dieu, une année, c'est comme si on disait
une journée. Oui. Amina. Donc bonjour, bonjour le stress. Bonjour le stress. Bonjour les préparatifs. Oui. Oui. Voilà, donc on est en train de... On a déjà préparé un programme très chargé et diversifié. Mmh. Alors, j'entame directement le programme. Oui, bien sûr, oui. Alors, même nous d'ailleurs, moi je suis très curieuse de savoir ce qui se prépare demain. D'accord. Parce que j'ai vu quand même quelques trucs du côté de, du jardin. Oui. Oui, exactement. Donc le programme va être justement fait dans la placette Sidi Mohamed, au jardin. C'est pour le grand public, Inch'Allah. Inch'Allah. Donc c'est accès à tout le monde. Oui, accès à tout le monde. Bien sûr, on doit aussi respecter le protocole sanitaire bien aussi. Sûr, donc, le port de bavette, exactement. Le gel hydroalcoolique, et bien ça va. Malgré maintenant, que c'est en plein air. De toute façon, on vit avec maintenant. Oui, exactement. Très bien. Alors, il y aura des animations culturelles, des groupes de musique et tout, folkloriques, bien sûr. Mm-hmm. Proposé par la direction des jeunesses et des sports d'Oran, ainsi la Ligue culturelle de la jeunesse et des sports. Il y aura aussi des expositions. Alors, une exposition artisanale, aussi proposée par la CAM, la Chambre artisanat et des métiers, dirigée par la direction du tourisme, donc chapeautée par M. Khalid, que je salue, un brave homme, ainsi M. Omar. Le directeur du tourisme, oui, Monsieur Omar. Donc, il y a aussi l'exposition des voitures de collection, il y aura les camping-cars, les voitures qui circulent actuellement le territoire algérien, voilà, qui font la promotion du tourisme au niveau national aussi. Mm-hmm. Et surtout oranais, l'exposition a été proposée par les associations Aventure Randonnée Oran et l'association des vieilles voitures Volkswagen Algérien. Il y a aussi des animations sportives, donc les exhibitions. Surtout ça, il y en aura plein. Emina est en train d'attendre justement le côté sportif. Oui, donc le bout pour la fin. Quoi. La fin, donc, la cerise sur le gâteau. Voilà, il y en aura plusieurs. Donc les exhibitions de boxe, des arts martiaux. Il y a des filles, on m'a dit qu'il y, a, il y avait oui, des filles bo- oui, qui font de la boxe. Oui, et c'est pour les deux catégories, que ce soit pour la boxe ou autre activité, donc les deux. Alors, les disciplines présentes, c'est l'exhibition de boxe, l'escrime, les arts martiaux, la lutte, karaté, judo, taekwondo. Il y aura aussi la rafa. Ou bien rafle, il y en a qui disent rafle. Rafa, volo, c'est... On va tout rafler. Exactement. Alors, il y aura aussi les tournois. Tournois de table, tennis de table, et aussi tournois de basket 3-3. Très bien. Équipe de 3-3. Donc, voilà. Alors, pour les tournois, les inscriptions sont clôturées. C'était un formulaire lancé sur le site et les réseaux sociaux. Tout le monde a pu s'inscrire. Après, on a pu faire des groupes. Et c'est des groupes de 3-3, comme j'ai bien expliqué ça. Et ça sera sur place, à Sidi Mohamed, où tout le monde va voir les tournois, les compétitions et tout. C'est génial, oui. Ça. Et surtout un vendredi. Un vendredi, oui, il y aura beaucoup de familles, beaucoup de... Justement, oui. Voilà, les gens, ils sortent à Oran. Oui. Nous, on est très festifs. Il ne faut pas aussi oublier les touristes algériens qui viennent actuellement. D'ailleurs, ils se sont déjà déplacés à Oran. Exactement. Très bien. Alors, sans plus tarder, on vous propose... Alors, Oran a acquis un joyau architectural. Alors, c'est le stade olympique d'Oran, qui est un joyau architectural magnifique aux normes internationales. Eh bien, on vous propose ces images de drone de Khalidou Ben Youssef et de Abdet. Et on se retrouve juste après.
Eh bien, le Béhia a acquis un joyau architectural d'une capacité de 40 000 places et une pelouse naturelle hybride située dans l'arrondissement de Belgaïd, dans la Beaulieu d'Oran. Eh bien, répondant aux normes internationales en matière de football et d'athlétisme et en mesure d'accueillir des compétitions nationales et internationales, eh bien, tout ça, c'est au stade olympique. Eh bien, ces images, elles sont signées Khalid Ben Youssef qui est là, c'est notre caméraman qui est juste là d'ailleurs à côté. Alors bien sûr en collaboration avec notre caméraman Mohamed Abdet, merci de nous avoir fait voir ces belles images du stade. Alors nous, on ne pouvait pas se déplacer pour assister au match de l'inauguration de l'équipe A contre le Liberia, et l'équipe Ntaana, on va dire, eh bien, elle a pu quand même sortir avec un 5-1. Eh bien, bravo l'équipe et bonne continuation. Et merci d'avoir pu voir ce beau stade olympique. Eh bien, sans plus tarder, bien sûr, nous sommes en compagnie de Amina Berrichi. Alors, c'est elle qui va devoir se déplacer jusqu'au JO de Tokyo. Rebonjour. Ah, bonjour, madame. Ça va? Oui, ça va. Pas trop stressée? Ben, c'est normal d'être stressée. Les Jeux olympiques, c'est pas facile. C'est pas facile. Surtout que vous avez une lourde tâche. Ah oui, représenter l'Algérie. C'est ma première qualification. L'Algérie a déjà participé aux Jeux Olympiques de Rio 2016. Mm-hmm. C'est notre deuxième participation, mais c'est ma première participation aux Jeux. Mm-hmm. Alors le stress, il est toujours là. Et comment se déroulent les entraînements? Bon, les entraînements avec la pandémie, c'était un peu compliqué. Mm-hmm. On avait un arrêt de presque 8 mois. Sans entraînement, sans rien, juste à la maison, tout seul. Mm-hmm. Après, on a enchaîné les entraînements au niveau d'école nationale. Mm-hmm. C'était presque toujours un stage de 10 jours par mois. Mais c'était toujours un peu... C'était pas suffisant. On a raté des compétitions internationales, des compétitions européennes. Mm-hmm. C'était l'objectif de notre préparation. C'était d'autres qualifications pour d'autres disciplines. Malheureusement, on n'a pas pu terminer notre préparation au niveau international avec les étrangers qui vont participer aux Jeux Olympiques de Tokyo. Mm-hmm. Mais je pense que vous avez des entraînements à l'étranger prochainement, non ? Non, malheureusement, non. Ça y est, les Jeux presque back at home, un mois. Justement. Ouais. Parce que ça va commencer le 28 juillet. Oui, c'est ça. Jusqu'au 8 août, c'est ça ? C'est ça. Très bien. D'accord. Et là, vous faites comment pour vous entraîner ? Surtout que vous êtes à Oran toute seule. Ouais. Comment se déroulent les entraînements ? Bon, c'est des entraînements presque individuels, mm-hmm. Avec un ou deux athlètes de mon club, mm-hmm. avec le travail qui a été donné par l'entraîneur. Je travaille sur des bases. Après, c'est des stages à l'école nationale, Alger-Plage. C'est des stages de 10 jours avec d'autres athlètes de l'équipe nationale qui nous aident à mieux préparer avec un paquet qu'on dit sur la mer. Vous n'êtes pas trop stressée ? Parce que les Jeux olympiques, c'est pas rien. Quand même, c'est une compétition internationale où chaque athlète rêve justement de participer à ces compétitions. Ah oui, c'est le but d'un athlète de haut niveau. C'est Kimengulu, c'est le sommet de le niveau sportif. Alors le stress, il est toujours là, pas dans n'importe quelle compétition. Mais celle-là, elle est un peu plus importante. Et comment vous gérez votre stress ? Alors, le stress, il est toujours là, mais au moment de départ de la compétition, il disparaît. On va être bah oui. plus quoi. Vous allez maîtriser. Ah oui. Certainement. Et le départ se fera quand ? Avec le comité olympique, mm-hmm. disons entre le 20 juillet, comme ça. Très bien. Très bien.
Donc, on vous souhaite un bon courage. Merci beaucoup. Et dites-vous que toute l'Algérie est derrière vous, d'ailleurs, et tout le monde attend une belle médaille. Inch'Allah. Bon courage et j'espère à votre retour. On vous recevra ici même sur ce plateau. Inch'Allah, merci beaucoup. D'accord. Inch'Allah. Et bon courage. Merci beaucoup. Merci. Eh bien, sans plus tarder, alors juste un dernier mot avec Khalida. J'ajoute à notre programme, dans la phase, la matinée, à partir de 10h, il y aura aussi une activité, une animation qui est culturelle et touristique, donc proposée par l'association Les Nomades. Ça va se faire, comme j'ai dit, de 10h à midi. C'est plusieurs circuits touristiques dans la ville d'Oran où les groupes, celles qui participent aux compétitions, vont essayer de résoudre des charades afin d'arriver et de découvrir un nom d'athlète. Donc il y aura un point de départ, Sidi Mohamed, avec plusieurs circuits et un point d'arrivée qui sera le Palais du Bey. Et la journée, elle se finit quand ? Alors la journée, elle va se finir vers 21h. Ah, quand même. Oui, donc, on pourra même aller dîner peut-être quelque part à partir de 21h, pourquoi pas. Pourquoi pas, oui. Donc, je salue toutes les directions, parties prenantes, les ligues oranaises, ainsi notre équipe, bien sûr, équipe du comité et la commune d'Oran. Donc, un bon courage pour vous. Merci. De toute façon, la télévision algérienne est partenaire officiel des Jeux méditerranéens. Exactement. On est là pour médiatiser, on est là pour couvrir tous nos événements, tous vos événements aussi. Oui. Eh bien, les JM, dans 365 jours, eh bien, ça va être, on va dire, une fête incomparable, puisque Oran sera la capitale des Jeux méditerranéens, de la Méditerranée 2022. Une fête méditerranéenne, quoi. Exactement. Voilà. Et bien sûr, je rappelle à nos chers amis téléspectateurs que Coral Peinture est notre sponsor officiel. Et bien, sans plus tarder, eh bien, on ira voir la prise en charge des personnes en difficulté mentale, sujet signé notre journaliste Ilyes Benzien, et on se retrouve juste après. شفت بلي ولدي فيه التوحد كان عاد في عمره 3 سنين ونص بدات الهضره تنقص ما ولاش يهضر كيما كان بدا يضحك وحده وليدي اللي تيك تما عرفت بلي راه عنده توحد جريت وقاسي تما ماشي ساهل يكون عندك طفل توحدي في الدار ماشي سهله بزاف وزعما اول تجربه عندي ولد قبله نورمال كي جا هو فيه توحد شويه نغبنت معاه وجريت ولي نغبنت بزاف في المدرسه ما كانش وراه عنده في عمره 8 سنين شوية صعيبة ولت قاعد في الدار الحمد لله يا ربي هنا جميعهم تكفلين بيهم بدأ يتأقلم شوية بدأ يخرج من هذيك القوقعة اللي راه فيها الحمد لله إن شاء الله يا ربي ماذا بيا نشوف غير ولدي من مدرسة وصاي هذا بزاف عليا. L'accompagnement psychologique des enfants en difficulté demeure l'un des défis phares du moment. Pour ce faire, le centre Bnet El Khir, comptant une dizaine de professionnels de la santé physique et mentale, ouvre ses portes à tout enfant souffrant de troubles tels que l'autisme, l'hyperactivité ou encore la dépression, et ce, au niveau du quartier Hay Sabah à Oran. On est un groupe de femmes bénévoles. Le groupe a été créé sur Facebook depuis presque 4 ans. On est actifs, on fait tout ce qui est menu SDF, on aide les malades démunis par des lits médicaux, par des paiements IRM scanner, chaises roulantes. On aide aussi les petits malades des hôpitaux, tout ce qui est l'hôpital Canastel, surtout l'hôpital de l'Hassi. Au début, j'ai commencé à voir et à convoquer les patients chez moi, parce qu'on faisait appel sur les commentaires, les réseaux sociaux, vous comprenez comment ça se passe. Mais même pas là, on s'est mis d'accord pour que ça soit des consultations ici au centre, comme ça, pour une prise de contact vraiment à l'aise. Et après, s'il y a une nécessité de prise en charge au niveau du cabinet, je les convoque au cabinet. Sinon, s'il y a des prises en charge, enfin, il n'y a pas de prise en charge vraiment médicale, c'est juste une éducation à l'hygiène buccale pour les parents et pour le patient, ça se résume ici. Mais je continue à venir les voir. Même après, s'il y aura des nécessités de passer au cabinet, on n'aura pas de soucis. En dépit des faibles moyens disponibles, ce centre tente d'aider toute famille démunie, spécialement durant les sensibles temps sanitaires actuels.
il y a le côté t'as les enfants, ils étaient tous enfermés fi diarhom belen rahom fi diarhom fi le confinement, c'est à dire un enfant autiste le kan bdab la prise en charge et aoudi le rechute, on s'est retrouvé avec des parents le cas t'as l'enfant s'est aggravé z ou en même temps le parent n'a pas travaillé, alors financièrement il se trouve incapable bach yawaja le marta oulda bach yخلص et en même temps le cas ta oulda s'est aggravé. C'est d'aider les enfants du mieux possible justement en leur donnant un environnement sain où ils sont libres, où ils sont en sécurité. C'est très important qu'ils soient en sécurité ou même qu'ils soient en confiance. Il faut qu'ils nous fassent confiance déjà. On leur donne des jeux éducatifs aussi, ils sont à leur disposition. Depuis son ouverture en avril dernier, le centre d'accompagnement Bnet El Khair compte aujourd'hui une dizaine de médecins de différentes spécialités, œuvrant tous pour la création d'une véritable chaîne d'entraide, de solidarité et de soutien aux enfants en difficulté et à leurs familles. Alhamdoulilah, l'association continue d'exister, continue de faire ses actions caritatives grâce aux dons qu'on reçoit. On reçoit des dons d'argent qui nous a permis de louer cet espace, de rénover l'espace extérieur. On reçoit aussi des dons de médicaments, des dons de vêtements. Je tiens à remercier toute personne qui nous a aidés, qui nous a permis d'effectuer toutes les idées qu'on avait pour aider les enfants. Une peinture algérienne aux normes internationales. Tous vos besoins en peinture intérieure, peinture métal, préparation de support ou peinture extérieure, choisissez Coral Peinture. Coral Peinture, c'est les mains à faire. Eh bien, le Bonjour d'Algérie est sponsorisé par les peintures chorales. Et sans plus tarder, eh bien, on va parler de la prise en charge des personnes en difficulté mentale avec la présence de Mejda Chekel, coach de vie. Bonjour. Bonjour, Imel. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à vous. Merci. Alors, vous n'êtes pas seule puisque vous êtes accompagnée de Ibtissam Dahane. Alors, vous êtes psychologue clinicienne. Bonjour, Imane. Merci beaucoup. Bonjour. Aussi pour l'invitation. Ben, je me rappelle, la première fois que vous êtes venue ici, vous grelottez de stress. Oui. Mais là, vous êtes très à l'aise. Ça va, oui. Ça comme va. Très bien. Eh bien, aujourd'hui, enfin, Bnet El Khair ont pu réaliser leur centre de prise en charge de personnes en difficulté mentale. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce centre ? Alors, le centre BLK Enfance, en fait, c'est un centre qui regroupe plusieurs spécialistes. Donc, il y a moi qui suis spécialisée en neuropsychologie, en plus de la psychologie clinique. Justement. Il y a une orthophoniste, il y a Majda avec nous qui est coach pour les parents. Alors, il y a aussi une psychologue scolaire et une pédagogue. Donc, l'intérêt du centre, c'est que tous les enfants soient pris en charge. Parce que nous, on est bénévoles. Il ne faut pas oublier que, c'est-à-dire qu'on a notre propre business ailleurs, mais on est bénévoles au centre. Donc, on voudrait que tout ce qui se passe en privé se passe aussi au BLK, enfance. Comme ça, tous les enfants vont avoir leur prise en charge totale. Parce qu'il faut aussi signaler à nos chers amis téléspectateurs que le BLK, c'est Bnet El Khair, c'est-à-dire que c'est un petit groupe de femmes qui a pu réaliser ce grand centre qui prend en charge des personnes, même des adultes d'ailleurs, oui, qui sont en difficulté, même des couples, par exemple, qui sont en difficulté dans leur mariage. Donc, vous essayez de leur trouver un terrain d'entente pour régler leurs problèmes. Exactement. Mm-hmm. Donc, le plus important chez BLK Enfance, c'est que la prise en charge est globale. C'est-à-dire, il y a le rendez-vous chez le psychologue, le rendez-vous chez l'orthophoniste. Quand on voit que dans le même endroit. C'est bien. Quand on voit que la maman est en difficulté, on l'oriente vers Mejda. Mais en même temps, les enfants ont aussi droit à une visite, c'est-à-dire médicalisée, où une fois par mois, il y a le pédiatre, docteur Ouazani, et il y a aussi docteur Benchiha qui est pédodontiste. Alors, est-ce que la prise en charge de ces personnes-là est payante? Alors, chez BLK Enfance, on a lancé le parrainage. Donc, la consultation est 300 dinars. Donc, c'est très symbolique. Un prix symbolique. Oui, mais même pour les personnes il y a aussi des personnes qui ne peuvent pas. Parce qu'il y a des mamans qui sont divorcées, le papa ne prend pas en charge. Oui. Il y a des papas qui ont un salaire très minime. Donc, un autre adulte extérieur peut parrainer un enfant et le prendre en charge.
Ah d'accord, oui. Très bien. Là, par exemple, moi, je pourrais prendre en charge un mois de consultation d'un enfant et payer, parce que ces paiements-là aussi vont payer la location du centre, vont payer les charges, les jeux, etc. Même si notre partenaire qui est Ocalis Mobilier, c'est-à-dire vraiment nous a donné pas mal de jeux éducatifs. Par exemple, moi, je viens vers votre centre et je vous dis, j'aimerais bien parrainer un enfant. Oui. Combien ça peut coûter? Donc, ça dépend de l'enfant. Donc, est-ce qu'il voit seulement la psychologue? Est-ce qu'il voit seulement l'orthophoniste? Est-ce qu'il a besoin de combien de séances ça par semaine? Ça peut aller de A. C'est 300 dinars la séance, que ce soit chez psychologue, chez orthophoniste. Ah d'accord, très bien. Donc, c'est à la seule enfant, parce qu'il y a des enfants, quand par exemple, hier on avait des consultations, j'ai eu des enfants qui avaient besoin plus de consultations chez l'orthophoniste que chez le psychologue. Donc, on les a orientés vers 2 à 3 fois par semaine chez l'orthophoniste. Ah ben oui, oui. Selon donc, la nécessité. Oui, chaque enfant, la nécessité est différente. Et le centre, il est ouvert pendant toute l'année ou alors il y a une certaine période bien précise? Non, toute l'année. C'est toute l'année, même pendant les vacances, même pendant l'été. Ben justement, pendant l'été, on profite de ça parce qu'on organise, on va commencer à organiser des sorties pédagogiques pour les enfants par petits groupes. Donc ensuite, on a aussi Ocalis Mobilier qui nous programme des ateliers, donc des ateliers thérapeutiques. Il y a aussi mon centre qui organise aussi des ateliers pour les enfants qui souffrent de troubles d'apprentissage. Donc au contraire, on profite de la période des vacances pour donner plus aux enfants. Exactement. Alors Mejda Shekel, vous êtes coach de vie. Tout à fait. Alors qu'est-ce qu'un coach de vie? Alors en fait, le coaching de vie, tout simplement, Imen, c'est une sorte d'accompagnement pour l'atteinte d'un quelconque objectif qu'on établit ensemble pendant la première généralement séance, si ce n'est la deuxième, et après à profiter de tout ça pour travailler sur cet objectif-là. C'est un petit peu le coaching sportif, mais cette fois-ci c'est mental, donc on travaille avec le cerveau. Ce que je fais avec BLK Enfance, c'est que comme toute prise en charge de l'enfant est assez difficile, on oublie souvent que derrière cet enfant, derrière la maladie de l'enfant, il y a la maman, il y a le papa, il y a le couple, ce qui souvent d'ailleurs souffre de ça. Et donc on leur propose, en venant au centre, on leur dit qu'il y a un coach de vie justement qui peut vous recevoir. Et généralement ils sont ravis et ils viennent tout de suite me voir. On fait une séance. S'il n'y a pas un besoin réel et ils te disent oui, d'accord, moi je me sens bien. Il y a quand même des parents qui refusent justement la maladie de leur, ou bien l'état. Ce n'est pas une maladie, tout c'est un fait. État. L'état de leur enfant justement. Alors s'ils refusent l'état de leur enfant, on est dans le déni de la maladie. Voilà. D'accord, donc c'est une souffrance double, j'ai envie de dire, parce qu'à un moment donné, on est rattrapé. Le souci du déni, c'est qu'à un moment donné, on est rattrapé et ça nous retombe dessus. Ce qui se passe, c'est que on travaille sur ça, d'ailleurs que ce soit moi ou Ibtissam, sur ce déni-là. Et une fois accepté, une fois cette maladie acceptée, on va sur, moi-même, je vais sur un processus de positivité. Parce qu'en fait, c'est ça ma spécialité, c'est de transformer la situation négative et en aider la personne positive. Voilà, à avoir l'opportunité derrière toute sa souffrance. En fait. Très bien. Donc vous prenez en charge même les enfants et les parents. Beaucoup plus les parents? Beaucoup plus les parents. Pour beaucoup essayer un petit parents. Peu de les aider afin tout de, à fait. De très bien de surtout la contribution des parents tout surtout à fait. La contribution c'est on va dire c'est le 90% si ce n'est pas plus de la guérison de leur enfant. Tout à fait, tout à fait, parce qu'un enfant en fait qui souffre, que ce soit, on parle beaucoup d'autisme, mais on a d'autres maladies. Lesquelles que vous recevez Alors on a de tout, on a des handicaps moteurs, mentaux, on a des soucis justement de langage, donc ce n'est pas seulement l'autisme, mais l'autisme en fait partie, d'ailleurs c'est une majeure partie, hein. Mais une fois que l'enfant se retrouve avec un parent qui est plus ou moins dans un bien-être installé, sa maladie, on va dire, elle est moins ressentie. Alors, est-ce que c'est une prise en charge uniquement pour les enfants en difficulté mentale ou alors les personnes en difficulté mentale ou alors il y a d'autres personnes quand même qui sont normaux, qui n'ont aucun problème mental, mais qui ont quand même des difficultés des fois à s'adapter à l'environnement, par exemple à l'école, au lycée, oui. Dans le milieu du travail. Est-ce que ces personnes-là peuvent venir pour se faire aider?
Oui, tout à fait. En fait, c'est le centre BLK Enfance. Et donc, tout enfant... Voilà. BLK Enfance. C'est BLK Enfance. Et tout enfant qui ne soit pas en mesure d'aller consulter pour une quelconque pathologie, le problème de la scolarité en fait partie, qui ne peut pas aller consulter dans le privé, par exemple, est le bienvenu au centre. Et il se trouve où, le centre BLK? Alors, il y a Haïsabah, en face du marché couvert. Ah, très bien. Ouais. Alors, et vous commencez à quelle heure? Alors, le matin, on commence à 9h. Mm-hmm. Et l'après-midi, on termine par rapport au rendez-vous. Parce qu'il ne faut pas oublier que les consultations sont sur ce rendez-vous pour deux choses. Un, à cause de la pandémie, comme ça, la salle d'attente ne se retrouve pas remplie de personnes. Bondée, justement, de personnes. Et de deux aussi, par rapport à l'organisation. Comme ça, chaque enfant aura vraiment sa séance individuelle, il aura son temps. Parce que les séances, c'est-à-dire en psychologie ou en orthophonie, elles durent entre 45 minutes et 1 heure. D'accord. Et généralement, des fois, par exemple, dans le public, il y a tellement d'enfants qu'ils font 30 minutes. Ils font des fois moins. Donc, on aimerait bien que chaque enfant ait vraiment son temps réel. C'est 45 minutes à 1 heure. Donc, les consultations... Vous prenez tout le temps avec personnes. Tout le temps avec l'enfant, exactement. Donc, les consultations sont sur rendez-vous à cause de l'organisation et de la pandémie. Très bien, les filles. Merci beaucoup. Bon courage. Merci à vous. Et puis, à très bientôt, pourquoi pas. Inch'Allah. Très bien, merci. Merci à vous. Et bien, sans plus tarder, on va voir un petit peu du côté de ce qui se passe, du côté de Belhabès avec Selim Skandar lors du Festival de la musique du théâtre. Et on se retrouve juste après. Merci. Depuis Sidi Belabès, cette belle ville de l'ouest de l'Algérie, chers amis téléspectateurs, bonjour. Nous sommes ici pour vous transmettre l'ambiance des journées culturelles qui se tiendront du 21 au 25 juin au théâtre régional de Sidi Belabès. L'événement a commencé par une exposition mettant en exergue le riche patrimoine musical et théâtral de la région. Habina, yani bagna nmeddou un esprit واحد اخر, un souffle de vie, un souffle de vivre haja hakda pour tout le monde, des artistes, c'est beaucoup plus, et en plus le public li rah mtaatach lel fi'l l'acte culturel. Donc c'est pour ça habina hadou les journées kono. D'assister au spectacle One Man Show. Est-ce que c'était drôle? Oui, c'est drôle, c'est bien. On a passé un bon moment avec les artistes. Ils ont fait des petites scènes, ils ont improvisé. Pour moi, je suis satisfait. On se croit beaucoup à la masrah de Jiaoui Sidi Belabès. L'ihyanna had el dikra ta el musiqa, youm el alami el musiqa. On assiste aujourd'hui à la naissance d'une manifestation culturelle nouvelle. Qu'est-ce qu'elle pourrait apporter à la ville de Sidi Belabès? Comme d'habitude, quand on vient jouer, enfin quand on joue à Belabès, ça fait 4 ans bien sûr, hein, mais quand on joue à Belabès, il y a toujours une jeunesse qui est là, il y a toujours des jeunes qui s'intéressent à la grande musique. Voilà, et le plaisir, c'est de donner quelque chose à cette musique, enfin à ce public-là. Voilà. Ainsi, chers amis téléspectateurs, nous arrivons au terme de cette couverture médiatique de la première journée des manifestations culturelles qui viennent de voir le jour à Sidi Belabès, un mélange entre le théâtre et la musique. On vient de sortir du concert du mythique groupe Raina Rai. On dira au final vive l'art et vive la culture.
Merci Salim de nous avoir mis au parfum de ce qui se passe au Festival de la musique du théâtre. Merci aux artistes qui ont accepté de nous faire des interviews et de nous parler à travers votre micro et votre caméra. Merci aussi à Ilyes Benziyane qui nous a emmenés à Témouchente. Et là maintenant, moi je vais vous emmener dans une ville alors lointaine, mais lointaine, lointaine. C'est la wilaya de Tougourt qui est présente avec nous aujourd'hui lors de la deuxième édition du Salon National des Arts, des métiers artisanaux. Ah, et l'artisanat. Et voilà, l'artisanat. Des métiers et l'artisanat. Eh bien, nous recevons avec nous Madame Hafida Ben Saleh. Alors, elle, c'est elle l'organisatrice et l'initiatrice du Salon. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir, hein? Partager, un plaisir partagé. Vous êtes là pour nous transmettre, nous ramener premièrement de l'art, deuxièmement de l'artisanat, le patrimoine. Vous êtes partout là. De la gaieté. De la gaieté, de la joie, du sourire aussi. Du sourire aussi, oui. Et bien sûr, il y a aussi avec nous Madame Laouni Malika qui nous vient de la wilaya de Tougourt. Merci. Oui, madame, merci. C'est réciproque. Non, je vous remercie. Vous me dites bonjour avec lahja de Tougourt. Sbalkhir, bonjour. Voilà, c'est ce que je voulais entendre. D'accord, moi. D'accord. Et vous n'êtes pas seul puisque vous êtes venu en compagnie de Monsieur Khaldi Adnan, céramiste, qui nous vient d'Alger. Bonjour. Bon, Alger, c'est à côté. Hein. C'est juste à côté, c'est nous sommes voisins. Exactement, ce sont nos voisins. Bien le bonjour à vous, madame, et merci de m'avoir reçu. Merci à vous, d'ailleurs, d'avoir accepté notre invitation. Tout alors, le plaisir est pour moi, madame. Très bien. Alors, parlez-nous de cette deuxième édition, madame Ben Saleh. Donc, on organise le Salon des métiers de l'artisanat, la deuxième édition, du 24 au 28 juin à la médiathèque d'Oran. Donc, cette deuxième édition va regrouper une quarantaine d'artisans qui vont venir d'un peu partout, de tout le territoire national, ainsi que des artistes peintres. Ah, très bien. Donc, durant ces cinq jours, il y aura plein d'activités culturelles, des conférences, débats sur le patrimoine culturel, des animations, des lectures poétiques, des défilés de mode, de tenues traditionnelles, ainsi que des animations pour les enfants. Ah, très bien, c'est un... Donc, quand même, pour c'est... bien commencer la saison estivale 2021. Exactement. Vous savez, ça fait un an et demi qu'on est en confinement, on pratiquement a été confinement. Confinés, oui. Donc, on a besoin maintenant de respirer, de reprendre notre vie normale, tout en respectant les précautions sanitaires. Et ça a été facile d'organiser cette deuxième édition après le confinement, quand même? Il y a eu beaucoup de démarches administratives, quand même. Du fil à retordre. Oh, exactement, exactement. Mm-hmm. Mais et ça commence à quelle heure? Ça commence à partir de 9h jusqu'à 19h. De 9h jusqu'à 19h à la médiathèque. À la médiathèque d'Oran. Et bien sûr, aujourd'hui, il y a la broderie de Tougourt qui est à l'honneur, représentée par Madame Laouni Malika. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Madame. Alors, vous nous avez ramené de belles tenues, d'ailleurs, que vous-même, vous brodez. Oui. Alors, parlez-nous un petit peu de cet art que nous, on ne connaît pas. Ben, la broderie traditionnelle de Tougourt, c'est une ancienne broderie. La première école qui a été ouverte, peut-être vers les années 40, c'est donc cette broderie, elle est brodée par la troisième génération presque, ou la quatrième. C'est une broderie très importante pour nous, parce que chaque maison, il y a presque toute la famille, elle s'est connue dans cette broderie et la majorité des membres de la famille, surtout les femmes, elles brodent même les filles qui vont à la faculté et tout ça. Pour nous, c'est un patrimoine qu'on doit protéger, qu'on doit aimer. Donc les jeunes filles à Tougourt, oui, toutes elles brodent. Toutes les filles, même les instruites, toutes les filles. C'est un passage oblige. C'est ça, oui. Mm-hmm. Et c'est une broderie qui a été vraiment protégée par des centaines, peut-être par des milliers de femmes de Tougourt. Comme moi, par exemple, j'ai presque une centaine de filles qui travaillent avec moi, et surtout les femmes au foyer. Nous, notre but, c'est encourager les femmes au foyer de travailler, d'avoir cette indépendance, pour exister dans la société. Mm-hmm. Quand une femme Elles font quelque chose de leur temps.
C'est ça, oui. C'est gagner, c'est gagner du temps, faire de belles choses et participer d'une façon directe à notre, comment dire, à notre économie. L'exercice de terrain al-watani, لازم المشاركة يعني حاجة مهمة جدا. Et notre broderie. Et quelles sont les couleurs justement que vous utilisez le plus dans la broderie de Tougourt? Avant, c'est je vais commencer au début. Avant, quand les premières écoles sont ouvertes, c'était la tenue typiquement traditionnelle. C'était la robe, la gandoura, comme je porte maintenant. Elle est très très belle. Oui, c'était la kashabia. La kashabia, c'est une tenue pour un homme. Pour l'homme, mais nous, on a essayé de faire de la rénovation et on a créé une kashabia pour la femme. C'est la pièce best-seller chez nous. Et puis, il y a des tenues, il y a des déos, il y a des petites robes. Maintenant, comment dire, on est tendance. On essaie d'être tendance pour attirer... Avec l'air du temps. C'est ça, pour attirer les jeunes, pour attirer... Et pour, comment dire, encourager notre société à aimer tout ce qui est algérien et à porter tout ce qui est algérien. Ça, c'est notre but. C'est, comment dire, porter algérien et penser d'une... On est fiers d'ailleurs de porter sûr. Algérien. C'est une chose... Surtout quand on voit des broderies, des broderies pareilles, elles sont magnifiques. Regardez, je ne sais... Oups. Alors, on aimerait bien qu'on zoome notre jeune réalisatrice Esma Seddir. Elle va zoomer sur la broderie. Voilà, voilà. Elle est magnifique d'ailleurs. Vous utilisez du bleu. Je vois qu'il y a eu beaucoup de bleu et de vert. Oui, ça dépend des... Oui. Mm-hmm. Moi, j'aime le bleu. Ah, d'accord. C'est une couleur apaisante. Mm-hmm. C'est une couleur qui a beaucoup de... C'est la mer aussi. Mm-hmm. Pourtant, à Tougourt, il n'y a pas de la mer. Mais on aime la mer. On aime beaucoup la mer. Les gens du Sud, comment dire... Et nous, on adore le Sud, d'ailleurs. C'est ça. Hein. C'est partagé, oui. Voilà, nous, on adore le Sud. Même chaque motif, c'est un symbole. Et ça prend combien de temps, par exemple, de confectionner une belle gandoura telle que vous la portez? Cette robe, normalement, un mois. Un mois? Un mois, oui. Mm-hmm. Un mois. Et vraiment. Ça peut coûter 2 à Le prix, vous voulez dire? Oui, oui. On la vend jusqu'à 20 000 dinars, 24 Très 000. Très bien, oui, parce que c'est le travail fait main. C'est fait main. Et le tissu, on choisit toujours là. Comment dire, un tissu de bonne qualité. Mm-hmm. Alors, et ce tissu, c'est... C'est du même LIFA. C'est 100% coton. Ah, très bien. Et il y a une autre matière qui est importante aussi chez nous, c'est le tissage. Ah, d'accord. On a des femmes qui habitent dans les banlieues de Tougourt. Mm-hmm. On est en collaboration avec elles. On leur donne la matière première. Des fois, c'est elles qui ont la matière, d'autres fois, c'est nous. On leur donne la matière première. On leur demande de faire les couleurs que les femmes demandent ou la cliente demande. Mm-hmm. Et c'est toujours un travail en collaboration avec les tisseuses, avec les stylistes, avec les brodeuses. C'est un travail de groupe. D'accord. Et c'est une occasion pour remercier tous les gens, toutes les femmes qui travaillent avec moi, toutes qui m'ont vraiment encouragée à continuer. Les brodeuses de Zéouia, de Nezla, de Taïbet, de Témassine, toutes les régions de Tougourt qui vraiment elles ont vraiment participé à la réussite de ce projet. Très bien, ouais. Très bien. Et bien sûr, nous avons avec nous un céramiste, c'est Khaldi Adnan. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous nous avez ramené d'ailleurs des merveilles. Un aperçu de notre travail. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre penchant vers la céramique? Moi, je suis un autodidacte. C'était mon frère d'abord qui est toujours céramiste. Mm-hmm. Moi, je me suis orienté. Moi, je suis journaliste de formation. Ah. Oui, j'ai surtout fait de la presse écrite pendant plus de 20 ans. Oui. Mais ensuite... J'ai voulu me libérer. Ben, ça fait plaisir. J'ai voulu me libérer et je me suis orienté pour faire un travail personnel. Manuel. Voilà. Manuel. Non, surtout personnel. Oui. Je m'enferme dans mon atelier et je crée des pièces. Vous commencez dans votre création. Voilà. D'accord. Et comment vous choisissez les dessins? Comment vous choisissez les couleurs? Comment vous choisissez? Vous êtes, on va dire, vous êtes attiré par quoi? Généralement, quand je vois une nature, les couleurs me plaisent, j'essaye de traduire ces couleurs en créant un semblant de la même couleur. Des fois, on n'arrive pas. Mm-hmm. Mais on essaye toujours, surtout les couleurs naturelles. Donc, j'essaye, des fois, je m'oriente vers le vert, des fois vers le bleu.
Là, on voit des dessins qui ressemblent un petit peu au dessin berbère, c'est ça? Ça, c'est le style berbère. Très bien, voilà. Ça, c'est le style berbère. Oui. De notre patrimoine. Oui, ça, c'est le style berbère. Et je fais en ce moment beaucoup de le style berbère du Grand Sud, d'Otamantet, avec de l'argile noire. Ah, d'accord, voilà. Très bien. J'ai quelques pièces. Et ça vous prend combien de temps de confectionner, par exemple, de faire et de finir, justement, une pièce telle que, on va dire, le mqab, c'est ça? Oui, madame, voilà. C'est très classique. Il faut un minimum de 15 jours. D'accord. Parce que ça demande 3 cuissons. Il y a la première cuisson pour que l'argile devienne biscuit. Mm-hmm. Ensuite, quand ça devient biscuit, on doit faire les couleurs. Mm-hmm. Il y a une deuxième cuisson de 24 heures. Ensuite, il faut, pour que ça devienne beau, il faut mettre de l'or. L'or, c'est entre 11 et 12 pour 40, mm-hmm. pour que ça devienne liquide. Et là, il y a une troisième cuisson à 700 degrés. La première, c'est 1300 degrés. Mm-hmm. Et donc, c'est très classique. Il faut compter entre 15 et 20 jours. Ce n'est pas une question de grandeur de l'objet. C'est le temps qu'il faut, le temps réparti pour faire... une création, quelle que soit sa grandeur. Peut-être un tout petit objet qui prend beaucoup de temps d'ailleurs. Il prend beaucoup de temps parce que même le petit objet, madame, il prend 3 cuissons. Donc c'est quel pareil. Quel que soit X. C'est du pareil. Voilà. C'est du pareil. Voilà. Très bien. Alors et je vois aussi un vase d'ailleurs très coloré. Ça c'est de l'arabesque. Voilà. C'est de l'arabesque et quand je suis devant l'objet. J'essaie de trouver les couleurs qui se marient. Mmh. Et donc, je vais faire ce travail-là. Des fois, ça ne me plaît pas. J'efface et je recommence. Ça dépend de l'inspiration du moment. Très bien. Voilà. Oui, parce que... Et vous êtes inspiré par quoi, par exemple? Moi, c'est surtout la mer, madame. C'est la mer. Ah oui. J'adore la mer. La blanche, elle est au bord de mer. Je suis inspiré par la mer. J'ai beaucoup de travail sur le bleu. Ah, très bien. Bah oui, voilà. Le bleu, c'est la mer. Voilà, beaucoup de travail. Vous avez exposé à plusieurs... Vous avez participé à plusieurs expositions? Avant le Covid, on exposait à l'étranger. Mmh. J'ai fait, par exemple, la foire de Lisbonne, j'ai fait Paris, j'ai fait Marseille, j'ai fait la Tunis, j'ai fait Gand, Belgique. Vous avez dû vendre beaucoup? Oui. Parce qu'à l'étranger, ils adorent tout ce qui est artisanal algérien. Ça dépend le pays. D'accord. Si c'est en France, vous êtes sûr de vendre à 100%. Oui, dans d'autres pays. Si vous allez en Belgique francophone, vous êtes sûr de vendre à 90%. Effectivement. Si vous allez dans en Belgique néerlandaise, les Wallons, vous êtes sûr de ne vendre pratiquement rien du tout. Rien du tout. D'ailleurs, dès le début de l'explication avec le client Belgique Wallon, vous parlez en français, il part tout de suite et il ne s'arrête même pas. Eh oui, parce qu'ils ne comprennent pas la langue aussi. Ils ont des problèmes entre eux, donc on paye les pots cassés. Ah ben, mais nous, on garde notre artisanat, mais, on est fiers d'en garder mais, et d'en mettre à la maison. Hein. Mais il y a des copains qui sont allés aux États-Unis dernièrement. Mm-hmm. Ça a très, très bien marché. Effectivement, ça marche beaucoup. Ils sont partis aux États-Unis, mais c'était très cher, madame. Mais ce qui est bien, d'ailleurs, dans ces travaux artisanaux, c'est qu'on arrive justement à exporter notre culture à travers vous, d'ailleurs, les artistes. Hein. Si vous me permettez, oui. J'ouvre une petite parenthèse. Oui. Les céramistes aimeraient exporter, mm-hmm. mais la bureaucratie douanière est trop longue. Ben c'est normal, c'est parce que nous, on aime tellement notre artisanat qu'on aimerait le garder chez nous. Donc, merci beaucoup, chers amis. Vous êtes venus ici. D'ailleurs, il y a un grand événement demain, Madame Ben Salah. Peut-être qu'il faudrait faire visiter à nos hôtes. Justement. Méridien. Non, c'est organisé par le comité de Jeux méditerranéens. C'est au jardin de Sidi Mohamed. Oui, oui. Voilà, donc il faut essayer un petit peu de concorder les deux, pourquoi pas? Parce qu'il y a une visite patrimoniale qui se fait, qui est très intéressante, afin de découvrir Oran. Est-ce que vous connaissez Oran? Oui. Oui, et vous? Non. Non, vous allez être émerveillé. Désolée, j'espère. Mais j'adore ma ville. J'adore c'est une belle ville. Je suis venue dernièrement, je connaissais, je suis venue dans les années 80,
Et j'ai laissé un très beau souvenir et je suis revenue cette fois-ci. Eh bien voilà. C'est vraiment une belle ville. Je me sens vraiment cool ici. Eh bien voilà, ben parce que nous on est cool. On est cool. C'est ça. Merci beaucoup et bonne balade et bon séjour à Oran. Merci Madame Bensala, c'est un plaisir. Merci de votre gentillesse, Madame. C'est un plaisir. Merci de nous avoir reçus. Eh bien sans plus tarder, eh bien on ira voir le Salon des Délices. Eh bien signé Ilyes Benziyen et on se retrouve juste après avec nos invités. Avis aux gourmands, voici votre rendez-vous incontournable de la semaine. Laissez-nous vous emmener au centre de convention d'Oran, Mohamed Ben Hamed, où se tient actuellement le Salon des Délices, événement national destiné à promouvoir divers artisans spécialisés dans les domaines de la confiserie, du chocolat, des produits laitiers, du fromage et des boissons. Et c'est avec grande satisfaction qu'on a enregistré une présence pratiquement nationale. Il y a des gens qui sont venus de loin, il y a des gens d'Oran, etc. Et avec des produits qu'on ne connaissait pas avant. Donc il y a de l'innovation et il y a beaucoup d'espoir en matière d'exportation. Donc c'est le message qu'on a lancé à l'ensemble des exposants cadaliques pour adopter une politique d'amélioration de qualité, etc., pour pouvoir s'attaquer au marché international. C'est un salon qui regroupe des opérateurs économiques algériens et à travers notre visite au niveau du salon, nous avons constaté qu'il y a beaucoup de jeunes entreprises qui ont vraiment de produits qui n'ont rien à envier aux produits européens. C'est des produits qui sont très intéressants, c'est des produits locaux qui peuvent aller aussi vers l'export. Au cœur de cet univers gourmet, chaleureux et convivial, cette manifestation invite l'ensemble des curieux à venir nombreux découvrir les secrets de l'art culinaire ainsi que les nouveaux produits et nouvelles tendances du moment. جينا هنا في وهران باش نشوفوا عند ديستريبيوتور ان شاء الله في الجهات الغرب لازم هكا باش الناس تعرف لا مارك وانا لحقنا الاستاد تاع لا كاليتي رانا ديجا بيان سما هكا باش لي كونسوماتور يعرفوا ويشوفوا مليح مليح On existe ici à Oran, du coup on produit de la mayonnaise, des sauces et du ketchup et bientôt inchallah du fromage. On a fait de l'exportation pour le Liban et prochainement, Inch'Allah, pour la Turquie et la Mauritanie. Nous avons quatre marques commerciales. La première marque commerciale qui est Morlux, qui fabrique du chocolat haut de gamme. Et le Morella qui fabrique du chocolat destiné au grand public. Ainsi que le Minder, elle fabrique le chocolat pour les bonbons. C'est des bonbons pour enfants. Et nous avons aussi la gamme Moretart qui fabrique de la pâte à tartiner. Face à l'engouement que rencontre actuellement cette manifestation, il est nécessaire de promouvoir davantage ces divers produits qui, dans un futur proche, peuvent constituer une véritable force exportatrice. Eh bien, désolée, j'étais en train de parler avec nos invités parce qu'il y a eu du chocolat devant nous. Eh bien, nous, quand on parle du Salon des Délices, eh bien, c'est que des délices qui sont là sur le plateau de Bonjour d'Algérie. Eh bien, sans plus tarder, puisque je reçois sur le plateau, c'est M. Fouad Ammar, organisateur de la deuxième édition du Salon du Délice. Bonjour. Bonjour, Imane. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Vous n'êtes pas seul, puisque vous êtes accompagné de Madame Imen Delhami, c'est ça? Selhami. Oui. D'accord. Ah ben, on m'a mal donné votre nom. Hein. Selhami, oui. Alors vous êtes chocolatier. Oui, c'est ça. Spécialiste en chocolatier. Très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et vous êtes aussi accompagné d'une personne que vous connaissez tous. D'ailleurs, c'est le président du club des artisans boulangers. C'est Monsieur Fouzi Baïch. Bonjour. Bonjour, madame. C'est toujours un plaisir. C'est toujours le plaisir est toujours partagé. Merci beaucoup. Alors, parlez-nous de cette deuxième édition du Salon des Délices. En fait, c'est pas la deuxième édition, c'est la première édition. Ah d'accord, il n'y a pas eu déjà. En fait, non, ça a été reporté pour la dernière fois. Ah oui, c'était en 2020. Tout à fait. Donc le Salon des Délices, c'est le salon qui regroupe tous les délices. Je crois qu'elle a la deuxième édition. Inch'Allah. Ça veut dire qu'il va falloir commencer la On a déjà commencé, on a déjà commencé. Voilà. Donc voilà, le Salon des Délices, c'est le lieu qui regroupe tous les délices qui peuvent exister. Donc le but du salon, c'est la vulgarisation de l'art culinaire algérien
faire connaître les produits locaux de différentes régions d'Algérie, pour encourager les producteurs ainsi les artisans. Donc, on a une variété de produits de tout type de délices, que ce soit encore du chocolat, que ce soit produits laitiers, que ce soit. D'ailleurs, hier, on a vu deux artisans qui sont passés avec notre collègue de l'Ardia, c'est Nesrine Arwa. Tout à fait. D'ailleurs, il y a eu même des artisans du nougat, ils fabriquent du nougat algérien. Ça, c'est bien pour encourager justement la production nationale. D'ailleurs, c'est le but, c'est d'encourager le produit et les producteurs aussi, ainsi que les artisans. Donc, c'est ça le but du salon. Parce que le salon, c'est la meilleure façon de faire passer le message, parce qu'on est en contact direct avec le consommateur, vous voyez. Oui. Donc, c'est une bonne. Donc, l'ouverture, c'était hier. C'était hier, c'est d'accord. Affaire. Et ça va s'entamer jusqu'à Jusqu'au samedi 26. Jusqu'au samedi 26, de quelle heure à quelle heure? En fait, de 10h jusqu'à 19h. Ah, très bien. Voilà. Donc, on aura à venir au Salon des Délices afin de goûter aux délices, d'ailleurs. Mais là, Fouzi Baïch ne nous a rien ramené. Oh là là. Je vous invite à venir. Ah non, moi, je voulais que ça soit ici. Parce que moi, j'ai promis aux téléspectateurs qu'on va avoir des croissants, des pains au chocolat, des pains. Ben, vous avez l'habitude de nous ramener plein de pains. Oui, demain, Inch'Allah, je peux vous envoyer. Ah, mais non, nous, on aurait aimé que ça soit ici. Vous venez à notre stand, vous pouvez déguster tous nos produits là-bas. Mais non, ce n'était pas je pour moi, invite. C'est pour le téléspectateur. Voilà. Dommage, la prochaine fois, Inch'Allah. Inch'Allah, Yarbi. Alors, parlez-nous justement de votre participation à cette première édition du Salon des Délices et aussi du concours du petit chef. Voilà. Eh bien, on remercie M. Fouad pour l'invitation et il nous a sollicité avec le club artisan boulanger pour faire de l'animation et faire des shows culinaires, pour faire déguster tous nos produits, tout ce qui est boulangerie, viennoiserie, salé, sucré, pour le public, avec les produits du salon. Tous nos partenaires qui sont au salon, ils vont participer avec nous pour mettre en valeur tous les produits qu'il y en a sur comme fromage, produits laitiers, et c'est vraiment varié, et on va mettre en valeur tous ces produits là. En plus de faire l'animation, on va faire le concours du petit chef. Vous savez que il y a une année que les enfants ils sont confinés, ils ont privés le stress de toute activité. Voilà, on va essayer de leur faire de l'activité, Hadi, pour les mettre en confiance. Ça va être voilà. On leur apprendra à toucher la pâte, comment faire des pizzas, comment faire des croissants. Ah, surtout les pizzas. Voilà. Ah, ils vont être les enfants tous attirés. Voilà. Et on leur apprendra comment faire des pizzas, l'histoire de la pizza, l'histoire de leur culture. Tout ce qui est, je ne sais pas, cherchoucha, tout ce qui est, on leur apprendra que l'Algérie, elle est riche. Ah, voilà. Monsieur Fouzi, moi je pense que cette formation, elle est dédiée beaucoup plus pour les adultes. Hein, parce que moi je pense que je vais venir m'inscrire. Eh bien, vous êtes les bienvenus. Et c'est ça le but, c'est mettre en valeur tout ce qui est patrimoine et culture culinaire algérienne. Et on sera là-bas, et avec plaisir, avec le public, toujours. Très bien. On parle de chocolat. Oui. Le chocolat. Alors, comment vous êtes arrivé à fabriquer des chocolats? Là, d'ailleurs, on en voit de toutes les couleurs. Oh, oui. Je ne sais pas si notre réalisatrice Esma Seddir, qui va zoomer sur les chocolats bien colorés, alors parlez-moi d'eux. Voilà, moi j'aime les chocolats. J'aime le chocolat. Ah d'accord, oui. Vous êtes une grande consommatrice de chocolat. Trop gourmande de chocolat, ah oui. Et ça m'a donné l'envie de faire des chocolats. C'est un plaisir pour moi de faire des chocolats. Et je fais la confiserie, des bonbons pour des enfants. Ah d'accord. Oui, c'est des marshmallows. Et il y a des enfants qui aiment les marshmallows. Ah, il y en a beaucoup. Oui. Même les grands d'ailleurs, pas uniquement les enfants. Hein. Oui. Et je remercie M. Fouad qui m'a donné la chance
de passer au salon de délices. Est-ce que vous avez une recette bien spécifique à vous de fabrication de chocolat? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Il y a des fourrages à l'intérieur. Mm-hmm. Il y a des pralinés, pistaches, framboises. Il y a toutes de variétés de... Framboises. Vous trouvez la framboise facilement? Pas frais. On ne trouve pas la framboise frais. Fraîche. Mais il y a des... Mm-hmm. On trouve... Et ça vous, c'est-à-dire, ça vous prend beaucoup de temps pour faire réaliser du chocolat? Pas beaucoup, mm-hmm. parce que on fait le chocolat avec la peinture, avec des colorants, très bien. Des colorants alimentaires. Donc ce sont des dessins. Oui, avec la main. Avec la main. Oui, avec la main. Et vous les faites toute seule? Oui. Toute seule, il n'y a personne avec vous? Il y a mon mari. Il est avec moi. Oui, ben il y a oui, mon mari qui est derrière la caméra, oui, d'ailleurs, qu'on salue. Oui, monsieur Lotalash Mohamed, oui. Il est avec moi. Il m'a donné un coup de pouce, mm-hmm. vraiment un coup de pouce. Oui. Parce que la première fois, je ne voulais pas faire. C'est pour moi. Et ces chocolats, est-ce qu'ils sont mis en vente? Si, ils sont mis en vente. Où est-ce qu'on les trouve? Dans des supérettes? Pas encore. D'accord. Ou alors vous les vendez en ligne, c'est en ça? En ligne, oui. Ah, en ligne, il y a le Facebook, le Instagram, oui. C'est par À travers les réseaux sociaux. Mm-hmm. Mais alhamdoulilah, on essaie de... Mais comment se fait-il? Vous avez fait quelle formation déjà? J'ai fait une formation en Espagne. Ah d'accord. Pour une semaine de formation. Mm-hmm. Et je suis rentrée en Algérie, j'ai fait même la formation chez monsieur Chouaib. Ah très bien. Oui. D'accord. Le chef monsieur Chouaib. Ici à Oran? Non, c'est à Alger. Ah d'accord. Oui. Très bien. Et je compte faire développer le chocolat artisanal. Et vous avez certaines recettes de chocolat? Comment? Très bien. Très bien. Donc bon courage. Merci. Bon courage. Merci à vous. Merci à vous. Et bonne continuation. Merci. Fouzi, la prochaine fois, je ne vois pas vos petits pains. Alors là, hein, c'est le bienvenu à notre stand. Merci et beaucoup. Et en plus de ça, je vous sollicite pour venir assister avec nous, avec les bouchous. Avec plaisir. À la petite formation avec les enfants. Merci beaucoup. Merci. Et là, c'est que je saute sur l'occasion pour faire des dédicaces, pour féliciter nos boutchous, quand on parle de boutchous, qui ont réussi à l'examen de la sixième. Eh bien, on commence par Emel Blata, notre collègue, qui félicite son fils, le petit boutchou Moumni Yenis, avec une moyenne de 9,10. Et bien aussi notre collègue Lemia Zaouch, elle présente ses félicitations alors à son neveu Bekari Mehdi avec un 9,50 et sa petite nièce Zaouch Khadija alors avec un 7,80. Alors Sera Sheraka Oumriya, alors elle présente ses vœux et en plus ses félicitations à son neveu Béchir Sheraka pour sa réussite à la sixième. Leur coup, Inch'Allah, Ya Rabbi, pour tous les petits boutchous, le bac, Inch'Allah. Et bien sûr, Abir, notre maquilleuse, qui présente ses vœux et ses félicitations à son petit frère, Ben Freha Mohamed, pour la réussite, Inch'Allah, Ya Rabbi, leur coup, le bac. Et bien sûr, notre jeune caméraman Habib Romri, lui, il félicite le papa Mouri Jamel, alors, et qui lui, il félicite son fils Mouri Ilyes pour sa réussite à la sixième, leur pour bel bac, Inch'Allah. J'espère que je n'ai oublié personne. Félicitations à tous les boutchous. J'espère que vous aurez une belle scolarité jusqu'au bac et pourquoi pas le bac et l'université, Inch'Allah. Qui m'angoule en arabe et en dialectal orané. Donc demain, ils m'ont passé le bac. Bon courage et félicitations aux parents parce que les parents aussi ils sont très stressés. Donc merci à vous, chers amis téléspectateurs, de nous avoir suivis jusqu'à 10h. On vous donne rendez-vous le jeudi prochain avec un autre direct, d'autres invités et d'autres sujets. En attendant, je vous dis bon week-end, bonne journée et à jeudi. Ciao.